Quorum, on est un peu différent. On automatise la création des documents juridiques de notre client, donc ce sont leurs actes. Donc il n'y a pas du tout un risque d'uniformisation de cette partie. Pas de standardisation, les produits vont converger parce qu'il y aura un besoin commun. Par contre, la façon de le présenter, la façon de suivre l'expérience utilisateur du début à la fin jusqu'au customer success fera la différence pour les futures solutions qui vont sortir dans le monde juridique. Les produits qui sont proposés à ces professionnels auront toujours des points de différence puisqu'on n'apportera pas forcément la même offre à une direction juridique qu'à un cabinet d'avocats. Il y a une standardisation des pratiques et effectivement de certaines technologies qui permettent de résoudre et de standardiser les modes de production et de livraison des services juridiques. Et ça, c'est bénéfique parce que ça permet d'avoir un droit plus accessible et meilleur. Mais il y a en même temps une infinité d'expériences à créer pour solutionner les problèmes que rencontrent nos justiciables. Et c'est en solutionnant ces problèmes-là qu'on va permettre au marché du droit d'atteindre justement un niveau de maturité parce que vous aurez 100% des justiciables connectés à un service de qualité. La mouvance actuelle, effectivement, consiste à articuler les différentes pratiques qui sont réalisées à droite à gauche, à harmoniser justement ces pratiques-là au regard d'un référentiel commun. Et on n'est pas dans la standardisation qui pourrait effectivement réduire le champ des possibles, mais plus dans un socle commun sur la base duquel ensuite les autres, quoi, chacun peut construire plus. Donc non, je pense qu'il ne faut pas craindre la standardisation, mais plutôt aller vers l'harmonisation et faire en sorte qu'elle soit la plus répandue possible. C'est de là qu'elle tire sa force et que chacun puisse en tirer au maximum parti. Moi, je n'ai pas peur de ça parce que je pense qu'il y aura autant de legal tech qu'il y a de juristes, qu'il y a de personnalités juridiques. Et que moi, je vois souvent la legal tech comme une représentation de la personnalité du juriste dans sa manière de pratiquer, dans son domaine de compétences, dans sa dimension plus ou moins collaborative, et que je vois plutôt un défi pour chaque juriste de créer son assistant legal tech lawyer, pour reprendre une expression de Séraphin. On arrive vers une horizontalité un petit peu, une transversalité de la techno, mais au niveau de la pratique. Alors, première chose, c'est que la technologie, elle se traduit par quoi ? Par une opportunité que met à disposition le législateur auprès des professionnels du droit. Comment ça va se passer ? Une fois qu'il y a ça, l'avocat va se saisir de cette opportunité et va la traduire en expertise et en champ de compétences via la technologie. Troisième axe, du coup, ça va créer une sorte de massification du marché. Donc, on va avoir des avocats qui vont délivrer majoritairement aujourd'hui des offres standards aidées de solutions artificielles, enfin de solutions d'algorithmes, on va dire. Et on va avoir, en fait, en trois niveaux, des cabinets qui vont être sur une niche, voilà, sur des grands comptes, des cabinets de middle market sur la massification, et enfin on va avoir des cabinets, des monostructures, soit qui vont en fait travailler pour des gros cabinets, soit qui vont vouloir pivoter, être des entreprises agiles et des innovateurs. Je vois l'arrivée d'opérateurs aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire d'avocats qui vont simplement devenir des opérateurs du droit.